Good morning. Je vous jure que s'il n'y avait pas de filtre, je n'aurais pas filmé ma tête. Vraiment, j'aurais pas assumé là. Il est 9h. Dans les faits, je suis en retard. On tourne, c'est la famille aujourd'hui à 10h. J'ai 1 heure pour me préparer là. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'on a un beau ciel bleu, un beau soleil. Là, on a un temps d'automne magnifique. Le matin, quand il fait beau, regardez ça. J'adore. J'ai hâte de voir les petites feuilles d'automne tomber. Matin quand il fait beau, regardez ça. J'adore. J'ai hâte de voir les petites feuilles d'automne tomber. Matin quand il fait beau, regardez ça. J'adore. J'ai hâte de voir les petites feuilles d'automne tomber. Matin quand il fait beau, regardez ça. J'adore. J'ai hâte de voir les petites feuilles d'automne tomber. Matin quand il fait beau, regardez ça. J'adore. J'ai hâte de... Je me suis réveillée ce matin avec un mal de dos. À chaque fois que je fais les abdos, le lendemain, j'ai grave mal au dos. I don't know. Mais voilà. Je me suis réveillée ce matin avec un mal de dos. À chaque fois que je fais les abdos, le lendemain, j'ai grave mal au dos. I don't know. Mais voilà. Je me suis réveillée ce matin avec un mal de dos. À chaque fois que je fais les abdos, le lendemain, j'ai grave mal au dos. I don't know, mais voilà. Cette petite tête. Oh. Cette petite tête. Va chercher les jouets. Prends les jouets. 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 Aujourd'hui, on va tourner toute la journée. Je vais faire ma skincare routine. D'ailleurs, j'ai adopté une nouvelle skincare depuis le mois d'août. Comme on tourne à la maison, c'est cosy, c'est chill. Et j'adore cet ensemble, genre avec des hugs. Je pense que ça pourrait le faire. J'adore, j'adore. On est tellement bien dedans. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'on fait dans C'est la famille. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on profite vraiment de ce programme pour vous faire le update de notre vie. Pour vous montrer un peu certaines choses. Lui, hein, il n'est pas trop du genre à filmer tous les jours, à vous faire des stories de fou. Enfin, tous les deux, en gros. Hein. Nous, on garde beaucoup de choses secrètes. On parle pas trop, en fait, nous. On monte pas trop sur les réseaux. On montre quelques petits trucs, mais voilà, on n'est pas genre accro à faire des stories toute la journée, comme je le faisais avant. Moi j'essaye un peu de me concentrer sur mes objectifs, je vais pas vous le cacher. Ça va faire 1 an que Simon et moi on est mariés. On va fêter nos 1 an de mariage. On sait pas trop ce qu'on va faire. Comme je vous l'avais dit, à la base on devait se remarier. Au final, on a préféré reporter l'événement à plus tard pour des raisons ultra personnelles. Voilà. Mais là, on va fêter nos 1 an quoi. Ça passe mais tellement vite, c'est un truc de fou. Après, quand on est déjà marié, je sais pas si c'est. En fait, il faut refaire vraiment un mariage. En fait, on aimerait bien avoir toute notre famille. Je pense qu'on va plutôt faire un renouvellement de vœux vu qu'on est déjà marié. On sait pas, parce que vraiment, on voulait refaire le mariage avec sa famille, toute ma famille, enfin quelque chose de normal, quoi. Parce qu'en fait, l'année dernière, on s'est marié, mais on pouvait avoir que 7 invités chacun. Donc lui, il avait que ses potes, ses parents, ils étaient pas là. Voilà, j'avais pas toute ma famille non plus, donc c'est pour ça qu'on veut refaire notre mariage pour qu'il soit vraiment dans les règles de l'art. Vraiment que c'est le kiff en vrai de refaire un mariage. Donc, nous on a prévu du coup de le reporter pour le printemps 2025 parce que vraiment on veut une préparation de fou. Et là, clairement, j'avais que 2 mois pour le préparer parce que, en fait, on s'est dit en juin, viens, on se remarie le 12, ça tombe un samedi, c'est la date de notre mariage de l'année dernière, donc ça tombait vraiment magnifiquement bien. Mais manque d'organisation, mais total.
Donc on l'a reporté pour printemps. Mais voilà, il va être, je sais qu'il va être magnifique. Oh là là. Je n'ai pas mis cet ensemble-là, mais plutôt celui-là que j'ai acheté chez Hollister, que j'aime beaucoup. Franchement, il a une très très bonne qualité. Les petites hugs, je pense que pour un look maison, on est bon, quoi. J'ai mis des clips et j'ai attaché mes cheveux. En ce moment, j'adore faire cette coiffure. J'adore. Voilà. Et moi, les petites attentions de mon mari. Un petit bouquet d'automne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, bé! Merci, mon C'est cœur. pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Aujourd'hui, c'est journée surprise. Ah! J'adore parce que mon frigo, chaque mois, il change de fond d'écran. J'adore. Ça va, bébé, t'es prêt? Je suis prêt. Toujours un petit peu malade, mais ready. M'a ramené des croissants. Cette dégaine, c'est normal. Si mon mari a un bandeau, histoire de ne pas voir où je vais. Ça, vous verrez bien dans sa famille. Cette dégaine, c'est normal. Si mon mari a un bandeau, histoire de ne pas voir où je vais. Ça, vous verrez bien dans sa famille. Cette dégaine, c'est normal. Si mon mari a un bandeau, histoire de ne pas voir où je vais. Ça, vous verrez bien dans sa famille. Cette dégaine, c'est normal. Si mon mari a un bandeau, histoire de ne pas voir où. Eh bien, j'ai envie de vous dire que j'ai une très belle surprise aujourd'hui. Et vous verrez bien dans tous les cas. Eh bien, j'ai envie de vous dire que j'ai une très belle surprise aujourd'hui. Ils ont repoussé les poils de bouffe massée là. Ah là là, il y a un an. Un an. Day pour day. Ils ont repoussé les poils de bouffe massée. On est rentré. Là maintenant, on va faire les ITV. Franchement, on a eu un beau soleil aujourd'hui tout le long. Là maintenant, il pleut. Mais Simon a vraiment géré son cours. Il m'a fait une très belle surprise. J'ai trop hâte que vous voyez les épisodes. C'est trop bien.